les quartiers nord de Marseille, pour le Conseil Général, au-delà de l'image qui peut en être véhiculée de ci, de là, c'est un territoire dynamique, avec des entreprises, une dynamique économique à l'œuvre de manière très forte, une dynamique sociale, c'est un positionnement stratégique à l'arrière du port, c'est un énorme potentiel pour le développement de Marseille et pour le développement des Bouches-du-Rhône. Donc à ce titre, c'est une priorité pour le Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui y intervient en soutien des acteurs locaux. Alors, le Conseil Général, alors que ce n'est pas sa compétence première, intervient au soutien des entreprises, au soutien des associations de zones comme Cap au Nord, intervient aussi sur, et notamment ça va être voté très prochainement, sur l'émergence des nouvelles entreprises dans le secteur nord de Marseille. Et puis sur ce secteur-là, le Conseil Général est un partenaire important d'Euroméditerranée et ses extensions prochaines sur le nord de la ville vont permettre de solidifier, de consolider l'écosystème économique nécessaire aux entreprises du territoire et à leur lien avec les habitants de ce territoire. Lié développement économique, développement social, c'est peut-être tout l'enjeu du travail sur les quartiers nord de Marseille. Et à ce titre, je vous souhaite d'excellents travaux pour avancer encore et changer pour longtemps l'image des quartiers nord de Marseille. Permettez-moi de saluer la deuxième édition de la manifestation de Cap Nord Entreprendre, qui est une édition exceptionnelle, encore une année, qui va au moment où la France est en souffrance, où le monde de l'entreprise est en souffrance, où les salariés sont en souffrance, de finalement unir le monde de l'entreprise, de salariés et des habitants. C'est un moment important pour montrer qu'il ne faut pas couper les liens, que chacun a besoin de l'autre. C'est une équipe qui doit gagner, c'est une équipe sans l'entreprise, il n'y a pas de salariés. Sans les habitants, il n'y a pas d'entreprise non plus. Donc tout le monde a besoin de l'autre. Et je crois que montrer tout simplement que le travail que vous faites, en restant toujours dans la proximité, en n'oubliant pas que vous êtes certes des entreprises, vous êtes du monde de l'entreprise, mais vous êtes avant tout aussi des acteurs de cette ville et que votre action continue au-delà de la question de l'entreprise, mais aussi de la citoyenneté de cette ville. Je suis fière en tant que maire de secteur et je remercie Cap au Nord Entreprendre d'avoir accepté de signer la charte qui nous unit pour permettre tout simplement aux lycées professionnels, aux collèges, de récupérer la taxe d'apprentissage. Et cette taxe d'apprentissage, c'est une manne financière qui sera importante pour les écoles et les établissements du 15e et 16e arrondissement. Ça va leur permettre tout simplement de pouvoir acheter par exemple du matériel pédagogique pour mieux finalement avoir du matériel de pointe pour apprendre. Ça va leur permettre aussi de faire des échanges avec leurs homologues allemands, anglais, dans les autres lycées ou collèges d'Allemagne ou d'Angleterre, ou d'ailleurs, d'Italie, pour pouvoir finalement voir comment dans les autres lycées, dans les autres collèges, on apprend un métier. Et ça, c'est pourquoi elle est importante, cette charte, parce que tout simplement, ces mêmes enfants qui vont apprendre aujourd'hui le métier vont certainement être demain ceux qui vont venir frapper à votre porte. C'est ceux avec qui seront peut-être vos salariés de demain. Et il est important finalement qu'ils soient bien formés, qu'ils aient un métier vraiment de pointe et qu'ils soient excellents et qu'ils soient excellents dans le métier qu'ils vont apprendre et surtout dans ce qu'ils vont vous apporter ensuite dans le monde de l'entreprise. Je voudrais vous remercier pour toutes les actions que vous menez. Vous dire combien nous avons besoin de vous, le monde de l'entreprise, combien vous êtes important, combien votre rôle est essentiel à Marseille. Vous dire qu'en ce qui me concerne, vous aurez toujours mon soutien parce que je sais combien Cap au Nord Entreprendre fait un travail au-delà de la question tout simplement économique, mais aussi la question humaine. Alors merci pour tout ce travail. Alors bonsoir à toutes et à tous. L'actualité récente met un focus particulier sur les territoires et nous fait souvent oublier que ces territoires sont avant tout un poumon économique pour Marseille. C'est un territoire diversifié où on retrouve aussi bien des entreprises industrielles que des entreprises de services, que des entreprises de technologie. Et c'est un des endroits du territoire marseillais où nous avons une des réserves de main-d'œuvre la plus importante et où l'effort de développement économique doit passer par la réintégration de ces personnes et la mise en réseau des acteurs locaux. Ce travail est engagé depuis quelques années déjà avec la Chambre, en ayant fait le choix de soutenir les acteurs de terrain, de soutenir les zones d'activité, d'être présent auprès de la Maison de l'Emploi pour toutes les actions, aussi bien d'insertion que de recrutement, les deux dynamiques étant importantes
puisque les entreprises du territoire ont aussi du mal à recruter, aussi bien que les personnes de ce territoire ont du mal à être employées. Il n'y aura pas de dynamique forte sur notre territoire sans une revitalisation forte sur la zone nord de Marseille. Ce défi pour le développement économique de Marseille passera bien entendu par une amélioration du cadre de vie, des conditions de logement et de transport, par des actions très concrètes de terrain que nous menons déjà pour l'insertion des publics en difficulté, mais aussi pour l'accompagnement direct des entreprises sur leurs problématiques de développement économique ou de ressources humaines. Ça passe aussi par un travail collectif que nous menons grâce à Cap Honor Entreprendre avec les entrepreneurs en zone franche, Arnavant et les commerçants de la zone littorale que je souhaitais particulièrement remercier ce soir. Bonne continuation pour la suite de vos travaux. Merci, à bientôt.